ولما أبعي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أمرا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فلن أكلم اليوم إنسيا ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle après que Zacharie a appelé Allah subhanahu wa ta'ala il a fait son doigt après un moment il y avait un temps qui est passé. Il a trouvé Yahya. Yahya a resté jusqu'à l'as de son prophétie. Il a les paroles épais, mais ce qui est authentique. Il a vécu jusqu'à il a trouvé l'as de que Dieu fait souvent le prophète 40 ans. Après, Dieu l'a donné le livre. Il n'avait pas trouvé un autre livre, mais Dieu l'a dit de tremper, de cramponner et de rester avec le livre de Moïse, Tawlette. Dieu a dit de prendre Tawlette. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici, Ya Yahya khudh al-kitab bi-quwwa. O Yahya, il faut prendre le livre de Moïse, il faut attraper sa force, c'est ça que Dieu a donné Yahya. Tawlette, khudh al-kitab bi-quwwa, wa atainahu al-hukma sabiyya. On l'a donné, c'est qu'on dit le hukma. Hukma ici là, c'est sagesse, c'est comme hikma. Vous voyez, il peut juger. C'est quelqu'un, comme on a dit tout de suite, quand il était petit, les enfants les appelaient pour aller jouer, aller au football, ou bien aller jouer. Il dit non, vous n'êtes pas créé pour jouer. Ou atteindre le hukma. La sagesse, soit bien dans le moment qu'il est petit. بمعنى وهذا أيضا تضمن محظوظا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ساق بروفيت كي بني فارمي أبري مويس تو لبروفيت كي بني الله توزو لي فترة بتوراة فرصة بتوراة سوف عيسى عليه السلام lui quand il est venu Dieu l'a dit restez avec les taurettes mais encore Dieu l'a donné ce qu'on dit l'évangile injil wa yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu tous les prophètes jugeaient les gens avec la loi de Moïse tous les enfants d'Israël après Moïse parce que Moïse c'était l'ennemi entre Moïse et Jésus ils sont dit c'est comme 1000 ans ou plus 1000 ans donc c'est depuis Moïse était l'ennemi il y a beaucoup de prophètes qui arrivent après Moïse 1000 ans et plus, ou et plus de 1000 ans entre lui et avec Jésus. Et c'est avec ce livre que les gens disaient les gens, les dînes Hadou, les gens qui sont Hadou, quand on dit Hadou, ici là c'est comme, ils se prétendent, ils sont guidés, Dieu l'a appelé Hadou. Hadou, c'est comme les gens. C'est, on ne faut pas qu'on puisse comprendre que c'est Dieu même qui a donné le nom là. Non, c'est lui-même qui s'est attribué ce nom à la vie, Haru. Soit Haru a été dit, Al-Hudam, ou Haru, comme ils sont prétendus, ils sont guidés. L'Illézina Haru, ou Rabbani, avec les gens qui adorent Allah, réellement, ou l'Akhbar, avec les connaisseurs. Au Garkana, si nous, il n'y a que ça rire, le moment qu'il est petit, on a donné ce qu'on dit, c'est-à-dire, Falihala, Nawaha Bidhikrihi,
Obima Anama Bidi Alay. C'est pour cela qu'il parle ici là, avec la famille qu'il a donnée depuis qu'il est petit. Voilà, Walidé, avec ses départs. Jalabiya Yahya, Khodil Kitab Abekouwa. Tiens, faut tenir le livre de Tawler, Ta'allam al-Kitab, de Kouwatin, Aybi Jindin, Wahirsin, Wajjihad. Il faut quand même apprendre parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit ici la façon que cet enfant est courageux et sage. Je lui donne encore ici là des conseils d'être courageux et de faire effort et vouloir de comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Tawbah. Wa ataynahu al-hukma sabiyya bima'na al-fahm. Quand on dit hukma ici là, ils ont dit al-fahm. L'imam la compréhension, wal-ilm avec la connaissance, wal-jib, wal-az, il était quelqu'un courageux, wal-ikbari al-khayri wal-ijtibar, il était courageux de faire des choses, wal-ijtihar wal-saghir, l'homme qui est petit, wa-hanan, Allah donne ce qu'on dit le hanan, mille dunna, ici Abdullah ibn Abbas, ibn Hazi al-Umma, il a dit moi avant je ne connais pas ce qu'on dit le hanan. Dans la langue arabe, ce n'est pas question que tu es père, tu peux comprendre tout, le père, tout le, ce que le père dit. Hein? Ce n'est pas question que tu es sonné, que tu peux comprendre tout. Mais quand tu es avec les grands, ou avec certaines personnes, Inch'Allah, tu vas ajouter la connaissance. C'est ça que les sont dit, les arabes ont dit, Hanan bimana mahabbatan wa rahma. Wa hanan amala dole, c'est qu'on dit le hanan min ladunna yaoul. ورحمة من عندنا وكذلك قال الكريم وقتادة والضحاك وزاد لا يقدر عليه غيرنا والله دوني لصوص كي برسون بيت دوني صوبن سيكون دي لامور pour que les gens t'aiment pour que Allah t'aime c'est pas toi même qui peux faire ça c'est Allah même qui fait ça وزاد قتادة رحم الله بها زكريا بمعنى رحمة رحم الله بها زكريا. C'est une miséricorde que Allah a pitié de Zakaria après 120 ans. Dieu l'a donné à cet enfant, ça veut dire qui a pitié Zakaria. Wahana la mille de Nawat. Wata Altman mi Rabbihi Ali. Non, il y a beaucoup de paroles, mais l'interprétation qu'on a pris ici, Hanana Dimana Mahabba Warahma. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله سلام وهنانا من لدنا والزكاة نعم والزكاة بمعنى بركة والزكاة ولي أبيك لا بركة بركة ولا بنس طنفا وكان تقيا طاهرا فلم يعمل بذنب التي بير qui n'a jamais fait le péché. Ici là, on parle d'un prophète, c'est qu'on dit Yahya. Notre acquis, notre conviction, nous les musulmans, vous ne trouverez jamais dans le Coran al-Karim ni le hadith des prophètes. Là, on a blâmé les prophètes, où on a rejeté un prophète parmi les prophètes déjà envoyés. Avant le Rasoul, bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jusqu'à ils ont dit, là, nous ferons que nous sommes tous les prophètes. Le prophète a dit, là, nous ferons que nous sommes tous les. Mais avec tout cela, il était le maître de prophète. Il a dit, les gens qui disent que c'est Jésus qui est mieux, c'est Moussa qui est mieux, c'est notre prophète qui est mieux. Il a dit, laissez les paroles là. Là, nous ferons que nous sommes tous les prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est modeste. Mais sinon, lui-même, il a montré beaucoup de hadiths. À la Sidi, ou à la Sidi, bien à Fafa. وآخر إلى آخر الأنبياء تحت اللواء يوم القيامة بلا فخر حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها بلا فخر حرمت الجنة على الأمم حتى تدخلها أمتي بلا فخر من توسى لعلي توسى لبروفيت السكس اللي كي مدر بروفيت نسوا إن أبقى سكنوهم فيه سكنوهم فيه ونسكي لكمباني لبروفيت يالي بيال. Il y a le Khulafa ou Rachidoun. Mais nous, on ne reste pas ici là seulement, on parle à Abou Bakr seulement, on laisse tous les Sahaba, nous, on ne fait pas ça. Les Ahl-Sunna, c'est pas ça.
Souvent tu trouves un jour on parle Abu Bakar, ses faveurs, l'honneur, les grâces que Dieu l'a donné. Un jour c'est Omar qu'on parle, un jour c'est Ali, un jour c'est Talha, mais les autres c'est pas ça. Les autres tu trouves, tu vas rester avec un an ou deux ans, il parle son mari Ali. C'est Nali, c'est un grand sahabi. C'est un grand sahabi parmi les prophètes que Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné fait vert. De regarder sa confiance dans le livre Allah avec les sunnah de pratiquer et de montrer aux gens de façon qu'il a compris. Allez, donc les sunnah dit, les sunnah de l'Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin, ad-dou'a alayhi abin nawajiz. Mais avec tout ça, Seyyidina Ali, nous on n'apprend pas son mal comme les autres font, Ali comme les Shia. Les Shia parlent son mal et Ali. Tu ne trouveras jamais qu'il parle d'Abu Bakr al-Siddiq. C'est pour cela aujourd'hui, non, nous aussi on est ici là avec un certain prophète. Qu'on parle ici là aujourd'hui. Peut-être même qu'on ne parle même pas ici là de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Bimana zakatan wa zakatan bimana barakatan wa kana taqiyya. Tahiran falam ya'mal bi dhanbi. Wa qawluhu barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Barran. Il était doux, facile vers ses parents. Ce n'est pas quelqu'un qui est dur avec ses parents. Il était obéissant. Il n'était pas quelqu'un qui est dur, violent, qui désobéit les parents. L'homme a zakrata la ta'atahu li rabbihi. Wa annahu khalaqahu za rahmatin wa zakatin wa tuqa. عطف بالذكر طاعته لوالديه وبره بهما. الله après avoir parlé, il est obéissant à Allah. Dieu a parlé un peu que Allah l'a créé par miséricorde avec la bénédiction. Quelqu'un qui crée Allah subhanahu wa ta'ala, après Allah parle d'Islam, comment il obéit les parents. Voilà le mot de Jabbar al-Asiyah. C'est pas quelqu'un qui désobéit le parent. Bala hazi al-Awsaf al-Jamila. Jaza'an lahu ala dhalik. Après avoir été bien avec Allah, conforté bien vers Allah avec ses parents, Dieu a fait un second dit, jumla du du'a'iyya, ala hazi al-Nabiyyil azim, wa salamun alayhi yawm wulid, wa yawm wa yamud, wa yawm wa as'aliyya. Ça c'est le du'a. On dit jumla du du'a'iyya. C'est comme quand il dit quelqu'un radiallahu anhu, certains professeurs disent c'est permis parce qu'il était en train de faire des doigts pour lui. Mais quand si c'est l'ikhbar qui a dit radiallahu anhu, si le certain Dieu l'a agréé, ça tu n'as pas la connaissance de ça. Tu ne dois pas dire ça sauf les sahaba. Mais si ton intention c'est de faire des doigts, c'est permis de dire radiallahu anhu. Wa salamun alayhi. La paix soit sur lui, lui Yahya. Yawma wulid, le jour qu'il était né. Wa yawma yamut, le jour qu'il mourra. Wa yawma yub'asu hayya, et le jour qu'on lui donne la vie encore. On va le ressusciter. Que Dieu bénisse Yahya. Que Dieu bénisse avec tous les prophètes. Wa salamu alayhi yawma wulid. La paix d'Allah soit sur lui, le jour qu'il était né. Le jour qu'il est anaki. Wa yawma yamut. Wa yawma yub'asu hayya, et le jour qu'il mourra. أينه الأمان في هذه الثلاثة الأحوال؟ دار التوا مو إلى سكوندي أما السكرتي بس كي لا توي الأسانس من عند الله سبحانه وتعالى بس كي جل عبده سكوندي الأسانس نعم سلام عليه يوم ولد يوم يموت يوم يبعث حيا. Ici, Abdul Razak, c'est cette hadith qu'on vient d'amener. Ibn Kathir, il amène cette hadith après la salat. Parce qu'il a résumé cette hadith. Il y a beaucoup de rapporteurs. Avant de rapporter le hadith de l'un des prophètes, il amène tous les hommes qui étaient témoignés de cette hadith jusqu'au prophète. Mais souvent aussi, on fait le résumé, on coupe. Si le hadith est authentique, وقال عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لي عبد الرزاق يبان سي معمر كي رابورتير معمر إنه قبل إسا سي الصحابة إنه قبل إسا سي البروفيت من بالي قبل إسا سي القتادة سي التابعين إذ يبان جبارا عصيا قال كان ابن المسيب يذكر قال قال رسول الله ابن المسيب parmi encore les tabi'in il parlait dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أهل يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا on a mis cette hadith seulement parce que c'est pas le hadith d'abord qui est venu jusqu'à on dit marfouan ila nabi صلى الله عليه وسلم bal mursal ou mawkouf quand on dit mawkouf à la sahabi quand on dit mursal le hadith qui est arrêté c'est le tabi'in qu'il n'y a aucune personne qui viendra à jour dernier sauf avec les péchés impés, sauf Zakaria. Les autres pays du Kéharis, ce n'est pas authentique. Mais Zakaria, non, Yahya Rafouani, Yahya n'a jamais fait les péchés. Un autre hadith pour le Bani Alam Yati Yawm Al Qiyam Al Walahu Dhamb, il n'a pas qu'à l'ami Yahya ou Zakaria, sauf Yahya. Et à Bouli Hari, notre prophète viendra sans péché. Il ne faut pas dire que non, Allah l'a fait réponse beaucoup de fois. Allah l'a fait, on l'a parlé ça l'autre fois, il a dit à faire réponse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de fois. Mais Dieu a donné l'assurance. Il y a un Allah qui a dit qu'il n'y a pas de mal, il 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 n'y a pas de mal. Afin que Dieu va te pardonner tout ce qui t'est passé, tes erreurs, toi prophète, il va t'accueillir le pardon et Inch'Allah. Le prophète aussi viendra encore sans péché. Parce que dans le Shafa'at al-Kubra, là où on trouve les difficultés, on vient maintenant que Dieu va nous user, ça qui va obtenir sa place. On va partir, c'est Adam alayhi salam. Adam, il a peur de partir. Il va dire, merci. On m'a interdit de manger un arbre, de manger, je ne sais pas quelle réaction qu'Allah va faire aujourd'hui. Donc, allez, c'est nous. Et ce qui est derrière moi, il a vécu beaucoup. Nous, on va dire non. Nafsi. Il va parler un peu des erreurs qu'il a fait, lui, non. Parce que, vous savez, quand il a anéanti tout ce qui. Il a fait noyer tout ce qui se trouve dans les Ma'mourah. Parmi ça, il y a les fils de Nour. Nous, on a demandé à Allah, pardonne mon enfant. Il faut sauver mon enfant. Il pardonne mon enfant, Allah. Parce que tu m'as donné les promesses, tu vas donner. Je vais sauver tout, mais ma famille. Voilà mon enfant qui est en train de noyer. Qui a dit non, papa dit ça. Il a fait un acte qui n'est pas bon. Ne me demande pas des choses dont tu n'as pas aucune connaissance. Il dit, Nafsi, allez-y, Moussa. Parce qu'il a parlé avec Allah. Moussa dit non. Un jour, j'ai tué quelqu'un. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est pour tuer quelqu'un, c'est un crime. C'est un grand crime. Partez, c'est Isa. Isa n'a jamais fait le péché. Mais il a peur de partir. Pourquoi? Il a dit, les hommes m'ont pris comme une divinité. Je ne sais pas faire, si Allah n'est pas fâché contre moi, je ne parle pas. Partez, c'est Muhammad, Abdou Mokada Allah, ou Matar Kadama bin Dalbihi, ou Matar Afra. Et c'est le fait qu'il a pardonné tous les péchés qu'il a fait. Partez, c'est lui. Donc, ici, là, si on dit Zakaria Sorma qui va venir sans péché, on va dire donc, comme les autres ont dit, le hadith, il y a un peu de. Hein? Le hadith n'est pas arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wadkouma. Non. Allah subhanahu wa ta'ala après avoir parlé de Zakaria lama zakra ta'ala qissata Zakaria alayhi salam wa annahu awjada minhu fi hali kibrihi wa aqimi zawjatihi waladan zakiyan tahiran mubarakan adafa bi zikri qissati Maryam fi ijadihi ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أبي فإنما بين القصتين مناسبة ومشابهة ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قدير. Après avoir parlé, Allah nous a raconté l'histoire de Issa, le récit de Zakaria, comment il a trouvé son enfant Yahya.
عليه السلام عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام كي جرا في إجستي لو ماك سون بابا سون بير إيه دي لو ماك سا ماما نزامي أنفانتي جرا دوني سيكوني زكيا ولدا زكيا طاهرا إن بي إن لافا بيو برو كي بي أبري جينو بارو إسلام كي سبب ماري مريم كما إلا توبي إنسا عليه السلام عليه السلام والسلام سان بير Parce que si on regarde dans les deux histoires, Yahya avec Isa, c'est un Isa qui a raconté beaucoup de fois dans le Coran du Karim, dans les sourates Al Imran, dans les sourates Al-Anbiya, dans cette sourate. Parce que si on regarde, il y a des leçons. Quand on rencontre les deux prophètes qui sont comme ça, que leur mère sont des mêmes mères, mêmes pères. C'est des cousins. C'est pour cela qu'il nous a dit Wazkur fil kitab Maryam. Raconte dans le livre les histoires de Marie. C'était étonnant. Et bien, Tabadat min ahliha makana sharqiya. Lorsqu'elle est partie isolée, coin vers le lever du soleil. Lever du soleil, lever du soleil, c'est là-bas qu'il est parti se réfugier, s'est écarté les gens. Et ce qu'on dit, à ta farro, ou à ta patoul, elle est partie là-bas, isolée là-bas. Et c'est ta bazar, min ahliha makana sharqiya. Pourquoi elle est partie là-bas? Elle est partie se réfugier là-bas. Parce qu'elle est enceinte. Il y a pas, elle n'était pas mariée. Elle a peur de rester avec les gens. Non. Non. بما وهي بنت عمران سي ماري سون بير سابيل عمران سا 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 كومان ديال سا مير سابيل حنطه بنت فاقور بن قابي يسون دي لا يهمنا باسكو دال القران الكريم دي دا با بارلي اي دال الحديث اوسي يا سيرتو سوس يا سيرت حديث كون البروفيت نوزا اوتوريزي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سواء في بارل الاسرائيليه بس كي انا با داك كونسانس سي سوري سي ليبر اوانو سي سون دي سابان سابيل حنا بنت فاقور ها بن قابيل نو انا بار سيتي ان شاء الله تعالى ما سون بيرتي ما سون دال القران الكريم عمران امراه عمران بمعنى سون بير سي عمران سافان سي حنا بنت فاقور ايوا سا سي كونسير تي سون دي سا إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم أخواني. نعم. وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام سيقام لبنت فيس بعلم. وكانت من بنت طاهر يليب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها. Qui a parlé comment sa mère était encore née fi surat Ali Imran wa annaha nazaratha muharratan taqdimu masjid bayt al-maqdis wa kanu yataqarrabuna li dhalik fatakabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alayha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سلام عليكم أيها المنعم الله ذكر يا رب. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا. فاتخذت على بي من دونهم. عندهم بس سافمي. على كابتن لزاين بي. فاتخذت من دونهم حجابا. على بيكم سكون جيل بيت كيف. نصرتهم بيت جيل أمسكين. Elle a resté là-bas, elle est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arsalna ilayha ruhana fa tamathala laha basharan sawiya. On l'a envoyé un message vers elle. Un message qui s'appelle l'ange Gabriel. Ici là aujourd'hui on nous parle. Comme à Isa alayhi salatu wa salam qu'on dit Jésus. Les anges sont divisés avec lui combien de fois. Certains, il est Dieu lui-même qui est descendu, qui est venu régler les problèmes de terre. Certains disent non, c'est un deuxième Dieu.
Il est avec Allah. Certains disent non, c'est un fils d'Allah. Certains disent non, il n'est pas fils d'Allah, il est un autre imam, mais c'est Allah qui descend sur lui. C'est Allah qui descend, Allah même qui a manifesté sur lui. Donc il y a beaucoup de paroles qui sont venues dans ça. C'est pour cela que Allah nous parle ici là, comment on va savoir. Jésus est venu comment? Il avait papa? Ou bien il n'avait pas? فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا ولا امبالي لانس غابيل فتمثل لها بشرا سويا لانس ترانسفورمي كوم ان نتو ايمان فيان ان بارلان ان لا بارلان يبارل افيك لا فام ايماج دي ان ايمان نعم فتمثل لها بشرا بشرا سويا يترانسفورمي كوم ان نتو ايمان يعني يبارل افيك بريد قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا مريم زي دماد شيف بروتيكسيون اوبير د الله كونتر توا سيت كرام الله سيت على كانت فو با مابروشي كار موا زي نزامي توشي ل اوم اوم زمان نما نما زامي توشي نما توس با نما بروف با قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا سيت على كانت فو با مابروشي كابروشي قال L'ange dit, il n'est pas à la rassure de l'abbé. Je suis un envoyé de ton Seigneur, mais ahabalaki roulaman zakiya, afin que je te donne, afin que je te donne un enfant pur, un enfant zakiya. Ici, on a envoyé l'ange Gabriel vers elle. C'est pour cela que certains connaisseurs se sont dit, même Marie, c'est un prophète. Ah, Imran, Imran, c'est un prophète. Ils ont parlé beaucoup de prophètes de femmes, ils ont dit c'est faux. Parce qu'Allah a confirmé dans le Sourate Al-Anbiya, ou ceci, si je ne l'oublie pas, on n'a jamais envoyé, on n'a envoyé que les hommes. On n'a envoyé que les hommes, c'est les hommes qui étaient envoyés, ils n'ont jamais envoyé une femme. Ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont, elles n'ont jamais été prophètes, les femmes n'ont jamais été prophètes, ni les messagers. Mais plutôt Dieu envoie l'ange. Ah, ça on dit, ou bien on fait comprendre ce qu'on dit. Ilham, révélation, Allah fait comprendre les femmes. Certains, mais ce n'est pas qu'ils ont trouvé des messages. Non, les femmes n'ont pas trouvé des messages. Hein? Allah, il n'est pas un rassoul ou rabbi. Je suis messager de ton Seigneur, il n'a pas de roulam en zakiya. Je te donne, afin que je te donne un enfant. Et pire. Qalat, anna yakoun li roulam wa la miyamsati ni bachar wa la kubariya. Marie répond. Marie répondit. Elle dit, Khalat Anna Yakuni le Roulam, comment peut-il gagner ce qu'on dit Roulam, l'enfant, comment je pourrais gagner un enfant? Voilà, Miam Sassini Bacharou, voilà, Miam Sassini Bacharou, voilà, Akbariya. On n'en a jamais touché. Je ne suis pas encore prostitué, je n'ai jamais fait de l'adultère. Il dit, comment je peux trouver un enfant? قال الله سيدي كذلك قال ربك ستجدك تنسني رادي هو علي حين وصاصي فاسي بكم الله دي قلت دوني أنه فاسي فاسي بكم ولنجعله آية للناس ورحمة منا عن فين وما في زيزي إلى ميزر كور بور لمانيتي زيزي وسي سي ميزر كور بور لمانيتي وي إلى ميزر كور Jésus alayhi salatu wassalam, c'est qu'on y a Isa. Tous les prophètes, c'est pas Jésus seulement, tous les prophètes sont venus pour miséricorde pour l'humanité. Parce qu'Allah est tout miséricorde, il n'avait pas châtié les gens. C'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes de venir montrer le chemin, le droit chemin. Et encore de avertir les gens, afin que les gens ne laissent pas le droit chemin. Donc ça c'est le miséricorde. C'est pas Jésus seulement, c'est pas notre prophète. Mais si on dit le message universel, le Coran au Karim, dans le Coran, Dieu nous a dit, il parle au prophète, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » On t'a envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc, « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » C'est lui qui était envoyé universellement. Sinon, le temps de Jésus, Jésus était envoyé vers « وَرَسُولَ إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلِ » Je suis message de Allah vers le fils d'Israël. Fils de Yaakoub,
Les serviteurs d'Allah ont dit Israël. Quand on dit Israël, ce n'est pas l'Arabe, mais Israël, c'est aussi un esclave, c'est un diable. Il, c'est le nom d'Allah parmi leurs langues hébreux. Donc, je suis envoyé vers les enfants, les fils d'Israël, les serviteurs d'Allah, les fils de Yaqub. Non. ولنجعله نعم قال كذلك قال ربك هو علي حي تنسي تنسي راجيسا في فصلكم الله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكي أنفا في زيزي ميزر قرن رحمة منا سعيد بيشي بلند الله سبحانه وتعالى ميزر قرن الله غير ماري وكان أمرا مقضيا سيتي لسوز كي جاء فولي et c'est existé au cas d'un amour à Mabdiya. C'est un jugement que Dieu a fait, il va venir. Parce qu'ils ont dit, nous tous, ceux qui sont venus, ceux qui viendra, ce qui était passé, Dieu nous a créé, Dieu nous a donné, il nous a posé la question à la Soubira de Rome. Il dit, « Akhadallahu min bani Adama, min zuhurihim, zurriyatahum, wa asharahum ala anfusim, ala Soubira de Rome, qalu bala. » Dieu a créé les hommes, nous tous, avec notre père, même moment, même avec Arabe, même moment, avec notre prophète, même moment. J'ai appris l'engagement, est-ce que c'est pas moi qui est votre Seigneur? On a dit oui. Après Dieu, il a fait les plans, il a fait tout, tartit. Après, tous les esprits des hommes, il a pris ça, il a mis ça sur Adam. Nous tous, nous sommes des fils d'Adam. Kulukum min Adam wa Adam min Tura. Le prophète a dit, nous tous on vient d'Arabe parce qu'on a été créé par la boue. Hein? Mais Isa, le moment qu'il prend tous les armes, il met ça sur les armes, comme les connaisseurs les sont montrés, il a pris les armes d'Isa, c'est lui, Allah, il a laissé cela là-bas. Ça, il n'est pas mis ça, ça vient rien d'Arabe, non. Il est fils d'Arabe, il est tout, nous tous sommes fils d'Arabe, mais lui, Allah l'a pris. Après Allah a envoyé ça, il a donné ça à l'ange Gabriel. Mais par mère, comme si on veut, on dit, il a dit, il va donner ça à Marie. C'est pour cela qu'on dit, lui, il a une particularité que les autres n'ont pas. Mais tout cela, tu vas aimer Jésus, jusqu'à tu vas détester Ibrahim. Tu vas aimer Jésus, jusqu'à tu vas détester Moïse. Tu vas aimer Jésus, jusqu'à tu vas dire que Daoud, c'est faux. Tu vas aimer Jésus jusqu'à ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas vrai. Les prophètes, celui qui l'a rejeté, il ne faut pas prier, et tu as rejeté tous les prophètes. L'un des prophètes, si tu refuses l'un des prophètes parmi les prophètes, c'est comme tu as démenti tous les prophètes. Surtout notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْبَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Quiconque rejette le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer. Nous, on n'a pas refusé Jésus. Aïssa, nous on voit Jésus, Dieu l'a donné des miracles, Dieu l'a choisi, Dieu l'a honoré. Mais ce n'est pas lui qui nous a amené le message. De toute façon, on va adorer Allah. Quand il est parti, là, il y a quelqu'un qui est venu. C'est celui qui a remplacé là, c'est lui qui est venu avec l'isolation agréée par Allah, démontrer suivez ça. Mais ne rejetez pas Jésus, c'est un prophète. Mais comment on peut adorer le Jésus, ce qu'il a amené, il n'est pas expliqué. Les gens qui étaient avec lui, il a expliqué, ils sont priés. Ils sont faits l'ordre de la façon qu'il a dit. Mais nous, c'est le prophète qui nous a enseigné. Aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui est ici là dans la pays là. Comment dans le pays là. Les pays que nous sommes, il y a quelqu'un ici là, division, c'est lui qui est là aujourd'hui. Ce sont lois qui parlent. C'est ça qui existe. Il va partir demain. Quelqu'un va succéder. Et tu vas dire, moi, ton loi, je ne peux pas rester. C'est la loi de telle personne que je vais rester, celui qui était ici là en 2018. Est-ce que ça va? C'est ici, c'est pareil. Les gens ne comprennent pas. J'ai dit au Kana Amal Mahdiya, c'est les choses qu'on fera, jugement que Dieu a fait, c'est ici. Non. Non. Fahamalatou, c'est là-bas. J'ai dit. Fahamalatou, fantabadal bihi wa kana tosiya. Fahamalatou, après, elle est devenue enceinte. يقول تعالى مخبرا عن مريم انها لما قال لها جبريل عن الله ما قال لورسك جبريل عن مريم قال سيكي جيل عن فايل لوي لاس غابير
lorsque l'ange Gabriel a dit Marie ce qui a dit innaha istaslamat 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 ne qada illa ta'ala. Après elle est devenue soumise, elle a accepté. فذكر غير واحد من علماء السلف ان الملك هو جبريل عليه السلام عند ذلك فنفخ في جيب درعها فنزلت نفخه حتى ولدت في الفرج في الفرج طول كل سيره سنه النبي سي جبريل كي تمت كي فيني ترانسفورمي تبان لي سي تي جبريل parler avec la femme jusqu'à la femme puis enceinte en des mots فهذا فانتبه به مكانا قصيا. Elle a pris enceinte, elle est partie isolée. C'est quoi le makan al-qasiyya? Al-makan al-ba'id, an-nas,